Bonjour YouTube, c'est la suite de Loob, parce que j'ai vu que ça t'intéressait, ça fait des vues, il paraît. Donc je vais continuer à te montrer le jeu vidéo. Et puis voilà, j'espère que tu as aimé ce premier épisode. J'espère que surtout, vraiment, que tu vas regarder les autres vidéos de la chaîne, ce serait très très cool. Actuellement, on est 6 heures après le lancement de la première vidéo. 20 vues. J'ai un petit peu mal. Je vous cache pas que j'ai un petit peu mal. Alors, par contre, est-ce que le jeu va bien se lancer? J'aurais dû le lancer avant pour vérifier que tout était ok. Faut que je parte à Barthélemius. Oui, mais j'aimerais juste changer. J'aimerais j'aimerais explorer un petit peu avant. Donc on y va. Voilà. Pose-toi, YouTube. Mets-toi bien. Il y a une porte là-bas. J'y vais. Sortie de zone. Donc c'était par là que j'avais vu le voleur. Ok, il n'y a rien. Là, je me fais attaquer par un mob. Évidemment. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Mob simple. Ça va aller vite. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Petit peu de mal, petit peu de mal au lancement du jeu là. Est-ce que c'est moi ou ça ne peut pas être moi. C'est impossible. Ah non, j'ai quand même un truc incroyable. Oh, un coffre. Je l'avais pas vu. Eh ben une arme. Une arme. Bah go. Ah bah go, mettre une arme. Bah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'aurais pu mettre deux armes, j'ai pas fait. C'est quoi ce... C'est un coffre que j'ai ouvert ça là-haut? Je crois que je l'ai ouvert. Me semble-t-il que je l'ai ouvert. Ouais, je l'ai ouvert. Bon, on va continuer, on va aller à droite. À droite plus. Ah quand même, leur range d'aggro est assez espacé. Donc là, j'ai... Ok, les capacités avec la hache et les capacités avec l'épée. Bah go, sur attaque hache. Parce que, bah one shot. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Je continue d'explorer au fait, hein, si vous entendez du gros gameplay, non, pas ici. J'espère aussi que vous n'entendez pas la tondeuse qui est dehors. Ah, je crois que l'arbre au niveau des racines. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Moi, ça me... Ça attire l'œil. Alors, on est dans quoi? Encore une zone... Une grosse zone, petite zone. Une zone avec du mob. On va peut-être combattre. Mais là, pas d'objet. On explore tout. Je ramasse tout. Je suis comme ça. Ah, un joueur. Je suis à la recherche d'objets certis, mais je t'ai pas vu. Je t'ai pas déjà vu, toi. Mais à un moment que je t'ai vu, d'ailleurs. Là, y'a rien. Là, je vais me faire aggro. Autant prendre le combat. C'est moi ou j'ai vu un coffre? Je ne sais pas. J'ai entreaperçu quelque chose qui ressemblait fortement. Coup de feu, nanotechnologie. Coup de pistolet. Oh, chance d'avoir un saignement. Bah go. Bah one shot surtout. Pourquoi je réfléchis en fait Voilà. Arrêtez de se poser des questions. Ah non, je me suis trompé. Les cartes qui sont grandes, mais je vais me perdre. Un spot de pêche, je l'ai vu. Encore des potions. On va faire un petit stock, hein, au cas où. Ah, c'est exprès ça. C'est un sprite en 2D, ça. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Je le remarque maintenant.
Peut-être qu'il était là avant, sur les autres maps. Ça m'avait pas attiré plus l'œil que ça. Bon, évidemment, c'est des vidéos qui vont faire une demi-heure. Hein. Et s'il se passe rien pendant une demi-heure, et ben. Je retournerai une demi-heure. Puis ce sera. Avec. Voilà, le montage, tu connais, hein. Je viens rien t'apprendre. Est-ce que je. Oh, je level up et je drop une potion de mana. Bonjour, joueur. Il y a un campement non loin d'ici. Continue de te diriger vers l'est. Ok. Très bien. Bah, go à l'est, hein, parce que c'est là où je dois aller. Je pense. Y'a pas une touche pour la map d'ailleurs. Ah, je viens de découvrir que je peux changer de personnage. Bon, voilà. RT, LT. C'est toujours bien de l'apprendre maintenant. Je dois rester là, à surveiller le vachon. Ok. Y'a des vachons. Oh, y'a des grosses vaches. Y'a des grosses vaches. Regardez. Regardez, c'est beau. Des grosses vaches. Et les taureaux. C'est cool. Ah, semblerait-il qu'il y ait un campement ou un marchand, ou alors c'est le campement, je sais pas, mais il y a un coffre. Yeah, une potion. Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Comment je me suis retrouvé à garder l'entrée d'un élevage de vachons? On se pose des questions tous, écoute. Je ne sais pas. Peut-être que. Les campements des zones safe où tu peux t'absenter sans craindre les monstres, mais je parie que tu le savais déjà. Oui. Je m'en lis dans ce corps. Oh, je retournais à Puntourne. Bah, non. Les vachons sont très affectueux et faciles à dresser. Tant mieux. Bah, je t'ai déjà parlé. Allons. Static Fire. Cette forêt est gigantesque. Ah, je fais une pause. Le feu. Le feu, très bien, le feu. Alors, du coup, est-ce que je me pose sur... Non, c'est juste un camp comme ça. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Il y a plein de choses que je comprends pas. Je suis venu ici pour récolter quelques globisporum. Globosorum. Écoutez, je dis globisporum parce que j'ai ça en tête. Pour mon père. Des os, pas des os. Dis-le-moi en commentaire si tu es agacé. Oh, de la thune. Trop bien. Alors, là, c'est l'arrière. Ah, il m'a rattrapé, c'est moi. J'ai couru alors que j'aurais pas dû. Voilà, ça c'est réglé. Et ça c'est réglé. Allez, paf. Et bah level up, du coup. Allez, level up. Réglé. Du coup, je suis à combien? 150, 190. Et mes PV se régènent. Très bien. Très cool. Ça peut sauver dans certaines situations, ce genre de choses. Ah. Plaine de Puntourne. Ah, j'avance. J'avance dans une nouvelle zone. Si tu as peur des monstres, tu peux attendre ici. Cet édifice nous protège. Ok. Mais elle est grande, votre carte. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck is that? Je suis curieux. Est-ce que c'est des vrais mobs? C'est des vrais mobs. Oups. Cochoboule. Très bien. Allez, petit saignement. Ah, c'est une zone de farm. Mais trop bien. Mais trop trop bien. Bon bah voilà. J'avais pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai acquis de la viande fraîche. Trop bien. Ah, je veux miner maintenant. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire pour le moment. Alors, voyons, là, on peut miner. Là, il y a un gros strum qui garde. Je vois pas de coffre. Je retournerai là un jour. Là, il y a rien. J'entends mon process qui est en train de tourner. De ventiler très très fort, ça me fait très très peur.
Oh là, il y a un coffre. Oh bah là, il y a complètement un coffre. Est-ce que j'ai cassé le jeu? Non, j'ai pas cassé le jeu. Dommage. Mais j'ai gagné un équipement. Ah oui, quand même. Alors. J'ai pas le nom des ennemis. C'est un peu dommage. On va mettre un double saignement. Ça passe pas. Le double saignement ne passe pas. Préparer une attaque. Eh ben non. Lol. Pas du tout. Tu vas rien préparer du tout. En fait. Petite charge. Ça va, ça passe. Voilà, tranquille. Le grinding est assez facile là, c'est moi. Équipement, qui c'est qui peut mettre son casque? C'est les deux. Voyons, plus d'armure, plus de vie, plus de force. Et plus de vitesse. Et elle, 23, 23, 10. Ouais, on va mettre sur elle. Niveau 5 requis, bon, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, je le sens. Là, il n'y a rien. Là, il y a un truc. De la thune. Bah, évidemment, la thune dans les armes, j'ai appris que c'est possible. Enfin, dans les troncs. Oh, celui-là, il avait l'air assez chum, assez méchant. Un spot de pêche. Et puis c'est tout, c'est juste un spot de pêche. Regardez ça, oh là, il passe par derrière. Oh là là, manipulation de l'ennemi. Je n'ai pas encore trouvé de familier sauvage, mais je ne perds pas espoir. Si tu dis. Ah bah là, il y a un truc. Encore plus de crédit. Et la cinématique, je l'ai vu au papillon. On y est, c'est l'entrée du village de Puntone. Si tu savais comme j'ai pas envie d'en voir par tes minutes, c'est Nostaria. C'est les voix. Habituez-vous. Si ça se trouve, ces alchimistes ne sont pas importants dans l'histoire du monde de Hillerie. C'est peut-être la dernière fois qu'on les croise. Oh merde, des joueurs. Je suis pas sociable. Au secours! Dark Avengers nous attaque! Fuyez, pauvre fou! Dark Avengers, le PK. Bizarre, c'est ni un PNJ ni un boss. Regarde son curseur, il est rouge. C'est un joueur de la coalition. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Je raffole des débutants. Ah, ils sont si naïfs, si tendres, si faciles à pourfendre. Tu as vu ces statistiques? Il est niveau 100. C'est un PK. Un quoi? Un player killer. Tu sais, ces joueurs sadiques qui adorent s'en prendre au plus faible gueux. Exactement. Avant de finir au cimetière, retenez bien mon pseudo. Je suis Dark Avengers, le plus redoutable et le plus redouté. Le meilleur killer de raison 4.2. Et je vais mourir. Du coup, je vais poser ma manette. Je vais faire George attaque. Et puis voilà, regardez. Hop là, j'attaque. Ah là là. Gros dégâts. Voilà. Allez, fin. J'espère que le jeu vous a plu. C'était vraiment incroyable. Le trigger. Voilà, c'est le game over. Ah là là. RIP. RT, c'était triste. On notera que la musique est sympathique. Voilà. Au moins ça. C'est injuste. On n'avait aucune chance. C'est pour ça que les meilleurs killers sont détestés dans les mémoires RPG. Heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village de Puntourne. Sinon, il nous aurait sûrement empêché de ressusciter. C'est même certain. Oh, ces gars-là sont sadiques. Allez, oublions ça et revenons à la vie. Je suppose que pour ça, il faut parler à ce PNJ. On marche. Le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort, Hydrien. Je fais pas de voix féminine, j'en ai marre. J'ai toujours pas d'eau d'ailleurs. Et je suis au cimetière. Oui, ça tu l'as déjà dit. Fouillons le cimetière. Voilà pourquoi. Exosquelette à cœur de Rosaphir. Oui. Alors attends, c'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est-il?
C'est de l'équipement... D'accord, c'est de l'équipement niveau 5. Je suis niveau 4. Très bien. Là, il y a un coffre. Si je peux fouiller les tombes, mais c'est horrible. C'est horrible de faire ça. Ce serait à la fois génial et horrible. Et comme j'ai cette envie de tout vérifier. Bon bah voilà. Question-réponse. On peut fouiller les tombes. Trouver de l'argent. Du coup j'ai 1500 balles. Au bout d'une heure. Tout va bien. Bon, mais je vois le problème. De l'argent. Un matériel de craft, je suppose. Là y'a rien. Je peux passer derrière. Ouais. Oh, je peux pas fouiller les tombes. Non, dommage. Les sépultures, mais pas les tombes. Attention. Là, c'est barré pour X ou Y raison. Ça, je peux pas le fouiller. Village. Eh ben, parfait. J'aimerais m'occuper au cimetière, mais j'ai peur d'y aller. Les gens disent qu'ils disent y avoir eu des fantômes. Il faut que j'aille à je sais plus où. Taverne. Parthémenus et c'est honteux, je me souviens plus des noms. C'est honteux ce qui se passe. Oh, un coffre. Parfait, bonjour. Saviez-vous que la magie vient des sources? Ce sont des êtres de nature divine générant du mana en continu. Les Oedriens doivent leur existence à Lys, la source de la vie, et Arken, la source de la mort. Merci pour ce cours. Très gentil de votre part. Et ben on va tout explorer. Voilà, on va tout explorer. Ah, il y a un magasin d'armes. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Ouais, je suis comme ça, je reconnais. Edmund Score, que vous ne connaissez sûrement sous le trait de son avatar Master Pong, et mon rival de toujours. Ah oui, c'est le, c'est l'acteur anglais, je fais pas l'acteur anglais. Nous sommes les plus vieux e-sportifs encore en activité. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est que des trucs que j'ai, ça, en fait. Qu'est-ce que c'est? Attends. Vendre. Oui, je peux vendre ma merde. Mais t'es au courant que ça, je les ai déjà? Non? Salut, merci, au revoir. Des armures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah écoutez, pour le moment, je vais rien vendre. Je vais rien acheter. J'attends le prochain village, le prochain spot pour acheter et on verra. Si tu as besoin de t'équiper pour la suite de ton aventure, je te recommande cette armurerie. J'ai acheté mon casque, j'en suis très content. Ok. Pardon? Ah! Oui, d'accord. L'Empire est la seule faction à prôner une harmonie entre les magies et les technologies. Non, je ne comprends pas pourquoi la coalition s'y oppose. Pour eux, seule la magie aurait sa place sur notre lune. C'est idiot. Je te le dis. Voler l'argent. Oui, je vole l'argent. Le chef Krusty est le meilleur cuisinier d'Oiri. À ce travers de cochoboules n'ont pas leur pareil. Je te le dis, petite baignoire. C'est honteux de dévaliser. C'est honteux. Est-ce que j'ai une honte? Non. J'aimerais au moins rendre la quête. Approchez, ça ne coûte rien de jeter un oeil à mes potions. Ouais, mais j'en ai 6 de chaque. Un attrape-monstre. Oh. Allez, j'en prends un. Les soldats nous protègent des créatures sauvages dehors la loi, rôdant à l'extérieur du village. Oui. Ah, c'est la taverne, je suppose. J'aimerais tellement partir à l'aventure, admirer l'océan et son horizon courbé, observer les lunes d'Arthuris depuis le sommet du mont Broca, ou encore chauffer un dragon rouge pour survoler les terres de feu de Vulca. Bah qu'est-ce que... Pourquoi tu veux pas? Si j'étais rentré en étant ici, je me serais posé énormément de questions. Eh bah voilà,
Regardez, ils sont là. Mais avant de leur parler, je fouille. Je vous vole tout, hein. T'occupe pas de moi, t'es qu'à tes frères. Moi, j'aime voler les choses. J'aime voler les gens, surtout. Bonjour, monsieur. Les donjons sont des lieux très anciens drapés de mystère. Enfin, si on n'avait pas un virtuose dans le maniement des armes ou des flux magiques, mieux vaut ne pas s'en approcher. Merci Michel pour ce conseil. Oh, conseil, écoute. Oh, une porte. Je peux sortir par là. What? Ah, attends. Là, il y avait un truc. Il y a un truc. Voilà. Ici. Voler, c'est ma passion. Et donc là, je sors. Je sors par là. Ok. On retient. Très utile. Bon, allons rendre la quête. Je sais que vous êtes là pour ça. L'acteur, tout ça, tout ça. Regarde qui voilà, les deux affligeants de tout à l'heure. Ah, je suis en train d'aller en culot sur le visage pour nous avoir fait poireauter si longtemps. Ah, ça rend-il compte du préjudice engendré pour notre faction? Ah, j'en doute. Comme leur unique neurone pourrait-il concevoir... Comment leur unique neurone pourrait-il concevoir qu'une seule seconde de notre temps est plus précieuse qu'un millier de leur médiocre existence? Ouais, je racontais leur huit clopes, leur huit champignons, que nous leur avions demandé. Non, c'est déjà ça. J'aimerais être aussi magnanime que toi, Barthélemus. Mais regarde-moi ce travail. Ils ne les ont même pas cuisinés. C'est à croire qu'ils veulent nous empoisonner. Oh, comment ai-je pu leur accorder le bénéfice du doute? Oh, ignorez-vous donc que ces champignons ne peuvent être mortels s'ils ne sont pas correctement réparés? Allez, apprends à cuisiner auprès d'un maître des métiers et concoctez-nous une salade de champignons aux petits oignons, et que ça saute. Et donc, vous n'êtes pas censé sauver le monde avec ces ingrédients? Non, évidemment, quelle question. Mais pour ça, bon, encore faut-il qu'on ne meure pas de faim. Ok, quête acceptée. Bien, Drake, mieux vaut écouter cette conversation. Je commence à éprouver de la sympathie pour Dark Avenger. Je suis à deux doigts de changer de camp. Si seulement. Maintenant, faut que je aille à la chambre des métiers, littéralement. Où que c'est, la chambre des métiers? Voilà, c'est, je dois aller là. C'est où? C'est là-bas, je viens de voir où c'est là-bas. Voilà, c'est là où il y a les petits pieds. Je suppose que c'est là où il y a les petits pieds. J'ai fait quête, putain. Eh ben écoutez, je prends les quêtes. Voilà, je prends les quêtes et puis on verra plus tard. Je connais toutes les routes de Hydre par cœur. C'est bien, roule ta bosse, hein, roule ta bille. Oui, vous ne pouvez pas accéder à ces zones, très bien. Notre récolte annuelle va avoir lieu. Non, je prie le Phoenix tous les soirs pour avoir de meilleures provisions que l'an dernier. Ok. Cinématique. Bonjour, je suis Clousty, le maître des cuisiniers. Que puis-je pour vous? Pourquoi un accent pareil? J'en sais rien, foutez-moi la paix. On aimerait préparer une salade de champignons. Oh, voilà une bonne idée. Ah, rien que d'y penser, j'ai les papillons qui s'émoustillent. Ah, pour le soleil, il vous faudra plein de lecture le métier de cuisinier. Alors lequel de vous deux souhaite mettre la main à la pâte? Drake, ça te dit? Pas du tout. J'ai aucune envie de faire plaisir à ces deux horribles personnes. Moi, c'est surtout le fait qu'on soit limité à deux métiers par avatar qui m'embête. Ah, j'ai consulté la liste et cette compétence ne fait pas partie de mes préférés. Si vous voulez, je peux concocter cette salade de champignons pour nous trois. J'étais justement sur le point de terminer cette quête. C'est vrai? Tu ferais ça? Bien sûr! La cuisine, c'est ma passion aussi bien dans la réalité que dans le jeu. Oh, quelle chance! Merci beaucoup. Y'a pas de quoi, en fait je m'appelle Log. J'incarne un élémentaliste, enchanté. Enchanté aussi, je suis Buster, un magicien. Et moi, Drake, je joue avec l'Iceberger. Aidez-moi dans votre groupe, ça partagera automatiquement les quêtes qu'on a en commun. Yes! 3 dans l'équipe, qu'est-ce que tu vas faire? Super, c'est parti, ça sera prêt dans une minute. C'est un très beau bruit de casserole. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner à la taverne pour servir Barthélemius et Nostaria. Il fait même pas... Non, vous voulez pas faire une petite image? Une petite image? Vous savez les gars, une petite image ça aurait été super. Juste ça. On peut pas tout avoir. Wow. Hey, il se passe des choses. Alors, je peux faire en... Je peux rien faire. Quoi. Vous n'avez pas attrapé de poisson, je t'emmerde. Cuisinier, alors je peux faire un sachet de trucs, des brochettes, un pavé de trucs et des sashimi. Au niveau de base, très bien.
Why not? Il est niveau combien? Il est niveau 5. Mais quel enfer! Et qu'est-ce qu'il a comme équipement? Ok, 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 très bien. Et lui, il se joue au point. Oui, ça se tient. Quelles sont ses compétences? Alors, qu'est-ce qu'elle donne des dégâts? Un soin ressuscite. Très bien. De défense, d'affût. Ok. Alors, je vais continuer d'explorer parce que j'ai pas finalement très envie de les revoir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mais vous me vendez pas ta mère? Alors que dans le puits, il y avait une potion. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas, moi aussi je peux trouver tout et n'importe quoi. Un jour je serai un grand aventurier. J'aurai une monture volante pour voyager aussi vite que le vent. Et bah go. Go, qu'est-ce qui t'en empêche? Attends là, je sors où? Je sors là, très bien. Allez, la taverne, la taverne. Ouais. La discussion, ouais. Ouh, ça pique un peu les yeux par contre. Ah, voilà enfin notre salade de globo de champignons. Il s'en est fallu peu. Non, à 3 minutes près, nous avons succombé aux innombrables carences qui menacent notre existence depuis que nos estomacs créent famine. Ils auraient pu mourir. Oui. Insipide. Un droit de chaîne. Mais pourquoi les développeurs mettent en scène des PNJ aussi insupportables? Ils veulent faire fuir les joueurs ou quoi? Je n'ai rien compris à Charabia, mais ça m'en a coupé l'appétit. Ah, bizarre, Bartimulus. Allons-nous-en. J'arrive, l'Estardien. Et tenez, gardez la monnaie. Tout ça pour cette... Je vais vous frapper. Oh là là, en plus d'être patient et tolérant, notre générosité est à la limite de l'indécence. Oh, notre bonté nous perdra. Je vous hute. Vous êtes insupportable. Ce qui est une bonne chose. Tout ça pour un seul malheur au crédit. Trois connards. Chacun, à chacun, ouais, c'est tiens. C'est officiel, les développeurs d'Agrist 4.0 sont des trolls. MDR? Trop des barres? Trop lol? Bon, et bah voilà. Et bah du coup, je vais sauvegarder. Tranquillou. Ah non, trigger. Évidemment, l'histoire. L'histoire, on fait avancer l'histoire. Je sais pas où vous en êtes, mais je compte me rendre au donjon de Mortegarde. C'est la première instance de ce MMORPG. Ça vous intéresse qu'on y aille ensemble? Mais carrément! Mais il faut être niveau combien pour y entrer? C'est réservé aux joueurs de niveau 8 et au-delà. Ah! Ça va, c'est dans le corde, j'en suis. Ah, je suis partant aussi. Par contre, il va nous falloir un groupe équilibré. Il paraît que les soigneurs sont très rares dans les régions bas niveau. En tant qu'élémentaliste, je peux m'occuper de n'importe quel poste. Je propose donc de m'en charger. Mon dieu, on aura notre heal. Il nous faut encore un tank et 2 DPS. J'ai rien compris. Je sais très bien que je maîtrise pas le langage champ lexical des MMORPG. Rappel tutoriel. Ne t'en fais pas. Moi non. Moi aussi, j'ai eu un peu de mal au début. Un heal, c'est un soigneur. Un tank, c'est un joueur robuste qui encaisse les assauts ennemis pour soigner ses alliés. D'ailleurs, je vais m'y coller pour la première instance. Et DPS, c'est l'abréviation de dégâts par seconde. Ça désigne les classes qui font perdre beaucoup de points de vie à l'adversaire. J'ai l'impression d'être au lycée alors qu'on est censé être en vacances. Commençons par aller voir le maître d'armes pour mettre à jour nos armes de talent. Il est à l'est du village de Puntourne, dans la plaine. Ok. Mais d'abord, je sauvegarde. Et je m'arrête. Voilà, ça sauvegardé, c'est fait. Bon bah écoutez, pour le moment, ça va. J'attends de voir la suite. Je peux faire ça, regardez. Oh là là. Et je peux même mettre... Ah, ça c'est la manette. Regardez. Oh, puis les voit le personnage. Je peux pas zoomer? Ah, je peux pas zoomer. Oh non, décevant. Décevant. RIP. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que s'achève cette deuxième vidéo sur Noob RPG, les 100 factions. Voilà. On avance... Moi, j'avance tranquillement. Je vous le dis tout de suite, j'avance tranquillement. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire, abonne-toi à la chaîne, une vidéo en général, les mercredis à 15h30, mais vu que c'est Noob et que j'ai du temps, je fais ça, genre le enregistre, monter, export, voilà, tu connais, partage la chaîne, regarde ce que je fais, abonne-toi, j'ai déjà dit, je suis sur Twitter et Instagram où je suis présent la plupart du temps pour annoncer les projets qui viennent, qui pourront sortir, etc., etc. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour
peut-être, encore une fois, la suite de Noob, les 100 factions.